Bonsoir. C'est le début d'un nouveau vlog. Je viens de finir un autre vlog et là c'est le début d'un nouveau vlog. On ne s'arrête jamais ici. C'est surtout parce qu'on a un unboxing à faire comme d'habitude. Et donc bonsoir et bienvenue dans un énième vlog lecture slash je raconte ma vie. Bonsoir, j'interromps votre programme habituel pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui est encore une fois Ana Luisa, donc cette marque de bijoux américaine. Et à chaque fois, ils font des soldes pour les fêtes de fin d'année, pour la fête des mères, mais aussi pour la Saint-Valentin. Il est temps d'offrir des cadeaux à vos chéris I, chéris E, chéris I, E, et à vous-même surtout, parce que moi je me suis offert des cadeaux à moi-même. En tant que grande célibataire, comme d'habitude, ça arrivait très très vite, ça arrive en quelques jours depuis les États-Unis et il n'y a pas de frais de douane. Et puis ça arrive dans des petites pochettes toutes mignonnes, ils font en sorte que ce soit recyclable, donc que ce soit les pochettes ou la boîte dans laquelle ça arrive, et etc. Ils font en sorte que tout soit bon pour la planète, et pareil pour les bijoux, ils sont faits en métal recyclé et donc en or recyclé en général. Mais moi cette fois-ci j'ai choisi des bijoux en argent parce que je trouvais ce set trop trop beau, et donc du coup j'ai pris ce petit collier cœur pour la Saint-Valentin, parce que des cœurs pour la Saint-Valentin c'est pas évident, et parce que je m'aime moi-même, et donc du coup voilà des petits cœurs, et aussi ces petites boucles d'oreilles qui vont avec. Elles sont trop mimes, ça c'est pareil, c'est des petits cœurs en argent. Et elles vont parfaitement avec le petit collier, voilà. Je vais mettre ça souvent, d'ailleurs je l'ai mis avec un bracelet qui me venait aussi d'Ana Luisa et qui est en argent aussi pour que ça aille avec. Et je trouve ça trop beau. Sinon j'ai pris ces petites boucles d'oreilles. Elles sont minuscules, mais là c'est là que j'aimerais bien avoir un deuxième trou dans les oreilles. Et un jour je vais me le faire faire, mais je vais même en faire 3 000, 4 000 parce que j'aime trop les gens qui ont plusieurs piercings dans les oreilles. Et j'aimerais bien en avoir aussi, mais là si j'avais le deuxième trou dans les oreilles, j'aurais pu mettre ces petites boucles d'oreilles là, parce que je trouve qu'elles vont trop bien pour cet endroit là. Et donc c'est des boucles d'oreilles lune, regardez. Elles sont iridescentes au milieu. Elles sont trop belles. Elles sont toutes petites petites. Mais elles sont trop magnifiques. Et bien sûr vous savez que j'adore la lune. Donc forcément quand je les ai vues j'ai craqué. Et j'aimerais trop pouvoir les mettre juste derrière là. Ça irait trop trop bien pour faire des petites boucles d'oreilles de deuxième trou. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais j'aimerais trop. Donc ça va me forcer à me faire percer encore les oreilles. Parce que franchement je trouve qu'elles iraient trop bien. Elles sont trop mignonnes. En ce moment il y a des soldes. Et donc n'hésitez pas à aller checker mon lien en barre d'infos. Et aller jeter un coup d'œil aussi d'Ana Luisa pour voir ce que vous pouvez offrir aux gens que vous aimez autour de vous. Voilà pour la Saint-Valentin. Et encore merci à Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc bonsoir, on est le même jour que j'ai clôturé le dernier vlog, ce qui veut dire qu'on est le lundi, je sais plus combien janvier. Nous commençons un nouveau vlog et nous commençons un nouveau livre. Voilà, j'ai commencé le tome 3 parce que bon, si vous avez vu le dernier vlog, vous savez que JPP, ce tome 2 était magnifique et le cliffhanger insupportable, et donc du coup j'ai commencé le tome 3. J'ai lu que quelques pages juste pour me rassurer parce que bon voilà, on a un petit peu les réponses au cliffhanger et etc. dans ces quelques... On n'a pas toutes les réponses, hein, je sais pas encore tout, mais bon bref. Je suis rassurée sur certains personnages, donc ça va, je peux continuer ma vie. Et donc, petit unboxing du début de vlog, fit la décoration de mes parents et mon arrière grand-père ici. Je sais même pas. Mais donc voilà, hein. On vit toujours chez ses parents, bonsoir. Et si vous entendez derrière moi, j'ai toujours pas adopté d'alien, c'est toujours Achille, voilà. Ça va Bibou? Il est là. Ici présent. Vers ma couverture, là c'est mon QG là. C'est là où je lis et je suis devant le feu et avec ça là. Incroyable. C'est parti pour l'unboxing. Donc soit c'est un cadeau, soit c'est une maison d'édition
Et voilà, c'est toujours la même chose. Mais parce que Amazon, je dois recevoir un truc d'une maison d'édition très spéciale en fait. Je sais pas si c'est ça, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est de la part d'une maison d'édition. Oh mon dieu, il a pris l'eau. Mon dieu, l'eau. L'eau, l'ennemi des livres. C'est un livre de romance, voilà. C'est Un prince cruel de Sophie Lark. En fait, Sophie Lark, je l'ai découvert grâce aux américaines qui lisent de la romance. Voilà, et elle a percé en ce moment sur TikTok aussi. Il y a plein de gens qui lisent ses romances. Et je l'avais découvert notamment sur la chaîne de Crystal's Bookish Life, que j'adore, qui lit de la romance. Et Peace Love Books XO, qui s'appelle Jessica et qui lit de la romance aussi et qui adore. Et en fait, je regardais les sorties du mois sur BookNote. J'ai vu que ça sortait. Donc voilà, c'est le premier tome d'une de ces sagas. Donc c'est la saga Le sang en héritage. Ça s'appelle en français, et en anglais ça s'appelait Brutal Prince. Je vous mettrai la couverture est mieux en français du coup. Si, j'ai vu que ça sortait chez Grey Eagle Publication et j'étais certes. What is Grey Eagle Publication? Et donc je les ai contactés, je leur ai envoyé un message, et en fait c'est une maison d'édition, enfin ils éditent grâce à Amazon un petit peu. Et ils sont anglais, enfin ils sont américains, enfin bref, j'ai pas tout compris, je leur parle en anglais. Donc du coup je leur ai envoyé un message en anglais, je leur ai dit est-ce que c'est possible d'avoir ce livre de Sophie Lark en français et tout. Et ils m'ont dit oui, donnez-moi votre wishlist Amazon. Et en fait ils m'ont envoyé via ma wishlist Amazon, voilà, c'est un service presse mais via ma wishlist. Et donc c'est rigolo, bref. Sophie Lark, que j'avais lu Ivan, c'était le premier livre de sa saga sur la mafia russe, et j'avais mis je crois 3 étoiles, c'était bof bof. Mais je suis intriguée quand même par son style d'écriture et je la vois tout le temps sur les réseaux sociaux, et donc je me dis je vais commencer cette saga là, voir. Il n'a rien d'un prince charmant, il y a écrit derrière. Et donc c'est Callum Griffin qui est l'héritier de la mafia irlandaise. Il est impitoyable, arrogant et il veut me tuer. Ah, un plaisir. Nous sommes partis du mauvais pied tous les deux quand j'ai allumé un tout petit feu dans sa maison. Je viens de poster mon vlog sur les autres et ça me fait penser à... Désolée, j'étais aveuglée par ma haine, un peu. Mais pour ceux qui ont vu ce vlog, bref. Mais donc c'est écrit entre parenthèses, un tout petit feu. C'est trop drôle. Nos familles estiment qu'un pacte nuptial est le seul moyen d'empêcher une guerre ouverte. Il y a une phrase de la fée qui dit « Je crois que je vais devoir l'assassiner dans son sommeil. » Ça a l'air trop bien. Ce serait bien plus facile si Callum n'était pas aussi beau. Mais je protège mon cœur dans une boîte fermée à double tour. Parce que même si je suis forcée de l'épouser, je ne pourrai jamais aimer un prince cruel. Ah, ça a l'air trop bien, c'est des trucs de mafia. Incroyable. Et c'est Enemies to Lovers parce qu'apparemment elle veut le zigouiller. Elle a un tout petit peu mis le feu à sa maison, un peu. Et lui aussi veut la zigouiller du coup. Love to see it, ça a l'air trop bien. La traduction a l'air pas mal parce que rien que le résumé, je trouve ça rigolo et je trouve ça bien. Donc voilà. Mais donc merci à Grey Eagle Publications. J'abîme mes livres là, j'ai hurlé hier parce que le tome 2 de ça, en fait, je sais pas ce que j'ai fait, mais la couverture, je sais pas ce que j'ai fait, bref, elle s'est pliée comme ça. Et là, il y a un gros pli là au milieu, parce que j'ai réussi à la plier en faisant comme ça avec mon bras, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai hurlé. Et là, je viens de plier la couverture aussi, non mais ça c'est un scandale hein, pour les gens qui aiment les livres, Je suis trop bourrin et je fais n'importe quoi et je les plie sans faire exprès et c'est un scandale. Voilà, donc mes gros problèmes à moi. Voilà. Et donc c'est tout, et pour un coup l'intro de ce vlog ne fait pas 40 minutes. Un exploit. Et donc du coup je vais vous laisser tranquille. Je vous dis à plus dans le bus, à tout à l'heure dans le tracteur, et je vais hurler là-dessus sans doute, bientôt. Voilà, bisous. Thank you.
Petite update de vlog le soir, bonsoir, il est quelle heure? 22h30 et il faut que j'aille dormir parce qu'il faut, parce que sinon après je dormirai pas. Mais voilà, j'en suis là. Ça va, ça me rassure. Non mais je vais vous dire pourquoi je dis ça va. Ça me rassure parce qu'il me reste encore tout ça, donc ça va. Parce que là ça part en cacahuètes. En cacahuètes. Donc c'est toujours le tome 3 des voleurs de fumée et je suis toujours en train de mourir. Dans le plus grand des calmes. Pour l'instant, les deux couples, parce qu'il y a deux couples principaux dans toute l'histoire, et moi je ship forcément certains personnages avec d'autres personnages. Et pour l'instant, mes deux ships, ils vont n'importe comment. Mais n'importe comment. Mais n'importe comment. c'est pas ça que j'ai demandé. Genre. Bref. Du coup, je fais exprès de m'arrêter là, parce que là, pour l'instant, mes deux ships, c'est n'importe quoi. Je fais exprès de m'arrêter là pour que demain, j'ai envie de continuer, parce que je vais avoir envie de savoir si ça va s'améliorer. Non, mais vraiment, imaginez. C'est pour ça que je fais un clip, parce que je suis en train de mourir. Imaginez, j'adore cette saga, mais de fou. Et en fait, l'autrice, à la fin, elle nous fait... mes deux ships, là, ils sont tout pourris. Et je shippe pas les bons, imaginez. The next day. Bah oui, j'ai shippé les mauvais. Hein. Et ça se confirme jusqu'à la fin. Je vais mourir si c'est le cas, enfin genre. C'est pas possible de tout gâcher comme ça, madame. Donc je sais pas, j'ai trop peur là que mes chips se passent mal. Parce que vraiment, si jamais ça reste comme ça et que... Les couples qui sont en train de se former là, mais zéro charisme, zéro tension, zéro rien du tout là, ils sont en mode je t'aime et moi je suis en mode ah bon, enfin on sait même pas qui c'est, enfin genre... Je suis en train d'essayer de me spoiler. That's not okay. Yeah, thank god. Ah, je crois que oui. Quoi? Quoi? Je suis en train de me spoiler. Non. Bon. J'en ai marre. Bon, ça va, je pense que je me suis spoilée. Je pense qu'il y a un des couples, ça va, mais l'autre... Si encore c'était plausible la romance là, je suis désolée. Ils nous sortent une romance avec un personnage qu'on n'a pas vu pendant 2 tomes. Ça fait 2 tomes qu'on le voit pas le personnage. Je crois qu'il y a au moins un couple sur deux qui va bien finir et donc c'est déjà ça, merci. Trop déçue, je sens que je vais encore mettre 4 étoiles et que ça va être le seul pas coup de cœur parce que j'ai shippé le mauvais truc encore. Ah, supporteur. En plus, il se ressemble, le personnage que j'aime bien, il ressemble au personnage que je shippais dans The Kiss of Deception de Marie Pearson. Il lui ressemble et ça finissait mal aussi, et c'est une de mes sagas préférées d'ailleurs, je l'ai trop adoré, sauf que j'ai shippé le mauvais couple, que du coup ça m'a saoulée avec la princesse et tout, et là c'est pareil. Je finirai demain, mais je crois qu'on en est à la malédiction des fantaisies. Là, à chaque fois, je ship le mauvais couple, JPP. Et donc, je vous updaterai demain quand j'aurai terminé. Mais pire déception de toute ma vie, ça de pas shipper les bons, quoi. À demain dans le train, en espérant qu'en lisant la fin de ce livre, ça aille mieux. Mais je crois que j'ai compris ce que j'ai compris, ce que j'avais compris, que vous aviez compris, que j'avais compris. Donc, bref, à demain. Bye. Bonsoir. J'ai fini.
J'ai fini. Ça va, je suis moins chou qu'hier. Ça va déjà mieux. Et comme prévu, je vais mettre 4 étoiles au lieu de 5 étoiles parce que il y a quand même ce tout petit chip qui me tracasse, n'est-ce pas? Parce que, ouais, j'ai shippé les mauvais, hein. Et ça se confirme jusqu'à la fin. Mais par contre, je vous dis, il y a deux couples et il y a un couple qui finit très très bien. Et alléluia Seigneur Jésus, et c'était tellement bien. Et tous les autres personnages. Et vraiment, la fin est bien faite, je trouve. Je trouve que c'est une bonne fin. J'ai regardé aussi les reviews Goodreads pour voir ce que les gens disaient et que tout le monde préférait l'autre. Forcément, il n'y a que moi qui ship n'importe quoi. Mais je suis désolée. L'autre, j'ai pas pu m'y attacher parce qu'on le voit jamais. Zéro charisme. Et encore à la fin, la bataille de fin. Vraiment, il y avait une bataille de fin à la Game of Thrones. Là, le truc, ça partait en cacahuète. Tout le monde meurt et c'est ultra gore et machin. Et même à la fin, l'autre type, là... il est pas là. I don't care about him, vous voyez ce que je veux dire? Alors que le type que je shippais, celui que j'aimais bien, il était là, il a fait des trucs bien et tout, et genre... Mais bon, c'est vrai qu'à la fin, c'est plus facile pour l'autrice, je pense, de faire que ce couple finisse ensemble, que le endgame, ce soit ce couple en particulier, sans vouloir vous spoiler, mais donc voilà, c'était plus facile parce que au final c'est plus facile de faire une fin quand c'est ce couple qui est ensemble plutôt que celui que je voulais, parce que celui que je voulais c'était impossible de les mettre ensemble. Et du coup je vois tout à fait ce qu'elle a fait l'autrice, c'est que dans le tome 2 elle a commencé à faire pour que on ship le bon couple et pour que le gars on l'aime pas, parce que c'est pour ça qu'il était chiant et qu'il disait n'importe quoi et qu'il continue à dire n'importe quoi dans le tome 3 et tout. Je voyais bien qu'elle voulait nous faire détester ce gars et qu'on aime l'autre couple, mais ça a pas marché avec moi. Parce que certes, il disait des trucs nuls, il était chiant, mais franchement, l'une des dernières phrases où j'ai mis un post-it, d'ailleurs, j'étais à court de post-it violet, donc j'ai mis des jaunes. Et d'ailleurs, on me demande tout le temps pourquoi j'ai mis des post-it. C'est les moments que j'aime bien, et les post-it roses, c'est les moments, je vais vous dire après, les moments dont je dois vous parler dans ma chronique. Bref, l'une des dernières phrases, c'est l'un des personnages qui le dit, et qui dit « Nous sommes tous ici à cause de nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, d'autres ont pu nous influencer, mais nous avons toujours fait nos propres choix. » Et oui, voilà, je trouve que ça définit bien cette saga où vraiment c'est des jeunes quoi, je veux dire, ils ont, je fais que de le dire, mais ils ont entre 17 et 19 ans et on s'attend à ce que ce soit la princesse, le roi, le machin, même les gens qui sont domestiques ou qui sont simplement la petite fille aussi qu'on suit qui est une voleuse à la base, enfin qui fait du trafic à la base, même elle est hyper jeune et tout, et on s'attend à ce qu'ils fassent des trucs de fou, mais ils sont jeunes et c'est normal qu'ils fassent des bêtises et des erreurs et tout, et je trouve ça hyper bien, hyper réaliste. Je vous dis, tous les personnages en fait à la base dans Les Voleurs de Fumier, on suit 5 personnages différents et tous ont eu une fin que je voulais, sauf deux du coup, enfin sauf un personnage en particulier on va dire, et une romance. Je sais que c'est plus facile de faire la romance comme ça, mais c'est ma seule déception, genre vraiment. Je vous dis, même à la fin l'autre on le voit pas, on sait pas pourquoi il est là. Le roman, si vous voulez, les gens ils se sont laissés avoir, genre il y en a plein qui me disent dans les commentaires « Oh, moi je l'ai bien aimé lui et tout, les moments qu'ils passent ensemble et tout », il y en a pas assez. Genre je veux dire, l'autrice a développé un couple en particulier tout le long du tome 1, tout le long du tome 2, et le tome 3 ça change, et seulement au tome 3 on commence à les voir se rapprocher, le couple endgame là. Et moi je suis là « Non mais attends, ça fait 2 tomes que tu me rabâches avec les autres ». Donc du coup moi je suis à fond dans les autres. I can't. Et donc là elle nous dit non mais en fait le meilleur couple, le moins toxique c'est celui-là, gna gna gna. Oui certes si tu veux, et ça s'emboîte mieux et à la fin ils sont meilleurs l'un pour l'autre machin, mais franchement tous les trucs qu'ils ont traversés avant les autres, vous voyez ce que je veux dire? Certes ils avaient traversé des moments difficiles où ils se comprenaient pas, où chacun disait des bêtises, j'aime bien encore ce truc là. Où les deux avaient des défauts et disaient des bêtises, etc. Mais je voulais qu'à la fin, ils se... Vous voyez? Et pas qu'on nous fasse, non, attendez, couple trop toxique. Et donc du coup, on va faire cet autre couple qui n'a aucune alchimie, rien du tout. Mais qu'au moins, c'est un petit couple gentil. Ouais, mais non. Moi, je préfère le angst. Je préfère quand ils pouvaient pas être ensemble tout le long de la série. C'était un truc de fou. Ils pouvaient pas être ensemble et tout. Et j'étais là... Et à la fin, ah bah non, ils peuvent pas être ensemble.
Non! Voilà, c'est franchement c'est ma seule déception, mais sinon le monde était incroyable. La manière dont ça se finit au niveau du fantastique aussi avec les démons, etc. Je trouve que c'est vachement bien fait parce que ça m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. Vraiment, c'est ce truc de Game of Thrones où t'as vraiment les personnages que t'aimes trop, tu veux qu'ils gagnent et il y a les méchants. Sauf que t'arrives à une fin où où les méchants ils gagnent et t'es là, wesh! Attendez, non mais attendez, non mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est les méchants qui... Quoi? Et donc jusqu'à la fin, t'es en mode oh purée, oh purée, oh purée. Et en fait, il y a une résolution à la fin qui est certes simple et pour certains, c'était un peu trop couru d'avance et un peu trop simple comme plot twist et comme machin pour tout remettre dans l'ordre, etc. Mais moi, je trouve ça intelligent quelque part. Et ça a été développé au fil des tomes, on voyait qu'il y avait un truc qui se passait et tout, et au final ça s'est quand même développé, elle nous a pas sorti ça dans le tome 3, ça commençait déjà depuis le tome 2 à changer, etc. Donc voilà, elle avait prévu son truc. Et oui, c'est une fin rapide et certes simple, mais ça correspond au truc young adulte en fait, à ce Game of Thrones à la young adulte, c'est-à-dire que c'est pas un pire plot twist très très bien développé depuis le premier tome, etc., depuis des milliers d'années et machin. Certes, un petit peu facile, mais c'est satisfaisant comme fin et c'est sympa. Il fallait quand même trouver l'idée, n'empêche. Cette phrase de fin qui nous dit que vraiment tous ces personnages, à un moment donné ou à un autre, ils ont tous fait du caca boudin. Tous, même si on les adore et tout, il y a un moment, ils ont pris une mauvaise décision, ils ont fait un truc nul, mais au final, c'est normal, c'est la vie. Tu fais des fois des choix pourris, mais ils finissent par s'en rendre compte et par aller mieux et par prendre leurs propres décisions. Et donc, je trouve ça trop bien fait. Les seuls petits post-it que j'ai mis, les post-it. Bon, j'ai commencé à mettre des post-it roses parce qu'au début, c'était les trucs que j'aimais pas. J'ai commencé à en mettre quand c'était la romance que j'aimais pas. Parce que je me disais, purée, ça va être ça le couple endgame là? C'est ça le couple qui finit ensemble. Mais moi je veux pas. Donc du coup j'avais mis un petit peu pour cette romance-là. Et aussi parce qu'il y a des erreurs un petit peu dans l'édition. J'ai remarqué plus dans ce tome-là, j'avais remarqué aussi dans le tome 2. Mais dans ce tome-là, il y a des. Ils ont oublié les tirets pour quand la personne parle. Et donc du coup c'est hyper perturbant parce que d'un coup on a la première. En fait, tout se passe à la troisième personne. En fait, on est dans du point de vue de plusieurs personnages dans chaque chapitre. Et à chaque fois c'est à la troisième personne. Et d'un coup c'était. On était toujours dans le texte et on était à la première personne. Et j'étais là, pourquoi la première personne? Et ah oui, parce qu'il n'y a pas le tiret, mais la personne est en train de parler. Donc il y a eu des tirets qui ont été oubliés au moment des dialogues à un moment. Mais une fois que j'étais tombée. Le premier, ça m'avait beaucoup. J'avais rien compris. J'étais là, ok, je suis passée à la suite et tout. Et au deuxième tiret manquant, je me suis dit, ah ok, c'est la conversation, c'est il manque un tiret, d'accord, donc ils sont en train de parler. Et donc du coup, après, je m'y suis fait. Et c'est revenu 3 fois dans le livre, je crois. Mais sinon, même à un moment, il y a des illustrations pour nous aider à nous repérer à un certain endroit. Et je trouve ça trop bien. Oh, regardez. Je trouve ça trop bien parce que du coup, j'ai du mal des fois à m'imaginer un petit peu comment c'est fait, si on nous décrit un dessin ou un truc comme ça, des fois dans ma tête, j'en peux plus, j'arrive pas à imaginer le truc. Et donc du coup, le fait qu'ils nous mettent le dessin, c'est plus pratique. Mais donc voilà, j'ai vraiment adoré, c'était trop bien, j'adore cette saga. Seul petit regret, je vous dis, c'est cette romance, parce que vraiment, il y avait moyen de faire vraiment une romance. Une romance mieux que ça. Mais il y a quand même une autre romance qui se passe hyper bien. Il y a de la romance LGBT, donc il y a une romance MM à l'intérieur de cette saga. Et Chef's Kiss, c'était génial, magnifique, incroyable, j'adore. Et les personnages, c'est vraiment. C'est pour ça que je pense que j'ai adoré cette fantasy. C'est que oui, il y avait le plot de. Il y a les méchants, les gentils, il y a des trucs politiques, etc. Je pense que les fans purs et durs de la fantasy vont un peu moins aimer parce que c'est moins concentré là-dessus. Mais justement, ça se concentre sur les personnages. Sur leurs relations entre eux, leur romance. Il y a même des histoires d'amitié qui sont. Mais pépite, pépite, je trouve ça magnifique. Pour ceux qui, comme moi, ne se sont pas encore mis à ce genre de fantasy et voudraient commencer, mais avec un truc qui est sûr que ça va leur plaire, où il y a de la romance, où on parle quand même beaucoup des personnages, où on parle beaucoup du monde fantastique aussi, du côté fantastique avec les démons et tout, allez-y parce que ça peut vous faire commencer la fantasy et vous allez kiffer parce que c'est hyper addictif. Et donc voilà, je trouve que c'est la fantasy parfaite pour les gens qui.
ne sont pas encore des fans purs et durs de la high fantasy, mais qui voudraient commencer la fantasy, je pense. Et même pour ceux qui se disent, voilà, je suis fan de fantasy pure et dure. Ah, aussi, à l'inverse, ça peut faire ça aussi. Ceux qui sont fans de fantasy pure et dure et de tout ce qui est Brandon Sanderson, choses comme ça, le Seigneur des Anneaux. Chaque fois je dis Seigneur des Agneaux. Si vous adorez ce genre de fantasy et que vous voulez petit à petit, pourquoi pas vous mettre au young adult et à la romance entre guillemets, mais à quelque chose de plus young adulte, de plus romance, de plus attaché au personnage en fait, mais sous un fond de fantasy que vous aimez bien et de guerre politique etc, et de trucs que vous aimez bien, et ben peut-être que ça peut vous faire aimer le young adulte et les trucs un peu plus romance, un peu plus character driven comme ils disent en anglais, c'est-à-dire porté par les personnages. Voilà, et sur ce, pour se remettre de ce petit livre, on va faire un petit unboxing et après je vous laisse tranquille pour ce vlog. Mais j'ai reçu ça aujourd'hui, il y a écrit achète sur l'enveloppe, le colis plutôt, c'est pas une enveloppe. Et donc, je sais qui c'est, je sais que c'est achète, mais c'est achète e-rose, c'est pas achète roman. Et donc, bah oui, oui les oiseaux, oui tu vas aller aboyer les oiseaux, oui bah c'est parti. Les oiseaux se sont envolés, ont commencé à pia 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 pia, puis Achille s'est dit je veux participer. Mais donc voilà, chez Tiro, si vous êtes au courant des sorties, vous allez devoir passer ce livre. Je leur ai demandé et ils me l'ont gentiment envoyé. Et j'ai trop trop hâte. C'est Avant minuit de Julie Murphy. C'est l'autrice qui a écrit Dumpling. Alors en français c'est quoi? C'est Miss Dumpling je crois. Il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est une autrice américaine qui est elle-même grosse et qui écrit sur plein de personnages gros dans ses romans. Quand j'ai vu que ce livre sortait, il me disait déjà en anglais et j'ai vu qu'il allait être traduit. Et en fait, c'est un retelling, donc c'est une réécriture de Cendrillon. C'est l'histoire de Cindy qui est une jeune fille qui est fan de mode et elle adore surtout les chaussures. Elle a une super collection de chaussures et tout, elle se passionne pour ça. Et en fait, elle va arriver chez sa tante, enfin chez sa belle-mère. Oui, parce que c'est la belle-mère dans Cendrillon. Chez sa belle-mère qui est en fait la productrice d'une émission de télé-réalité qui s'appelle Avant minuit et qui est un petit peu type bachelor, truc comme ça, où les candidats doivent trouver l'amour, etc. Il y a une candidate qui va se désister au dernier moment et ça va être Cindy qui va devoir y aller à la place et donc participer à l'émission. Et en fait, petit à petit, elle va devenir l'icône de la body positivity parce que c'est la première candidate de cette émission qui est grosse et donc voilà, elle va un peu changer tout ça. Interruption dans votre programme habituel parce que j'ai oublié de vous parler de ce livre que j'avais reçu hier. Il est magnifique, bonsoir, donc c'est Le Sanctuaire des Mona de Alexandra Kozelik. Voilà, c'est chez Robert Laffont, donc la collection R. C'est la même illustratrice qui a fait les BD Sorcières et Vampires. Et du coup j'ai trop reconnu ces illustrations et ça fait tellement witchy, c'est magnifique. C'est l'histoire de Sélénée qui est une enfant adoptée et qui a juste gardé son prénom et une mystérieuse marque en forme de croissant de lune au creux du poignet. Et Irina, une jeune fille qui prétend lire dans les étoiles, consulte sans cesse son tarot divinatoire et fabrique des santons magiques dans des écorces de bois. A priori l'une et l'autre n'ont rien en commun, mais en fait elle se retrouve coincée en Slovénie dans une étrange maison dissimulée au fond d'un parc. Elles comprennent que leur rencontre n'est pas liée au hasard et donc voilà, truc witchy s'ensuit. C'est hyper mystérieux, j'ai trop hâte de voir ça. Voilà, je devais vous mentionner ce livre aussi. Et donc voilà pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Emoji de la vidéo si vous avez pas trop d'idées de quoi mettre comme commentaire mais que vous voulez quand même me soutenir en mettant un petit emoji. Mettez un emoji chaussure. Est-ce que j'aurais les chaussures là? Ça existe les emojis chaussures, mettez un emoji chaussure. Je sais qu'il y a l'escarpin et il doit y avoir les baskets, donc mettez un emoji chaussure. Et sur ce je vous laisse tranquille, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.